Le conte est le miroir dans lequel l'homme se regarde pour voir sa propre image. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est plutôt Amadou Mpateba, grand sage, écrivain et ethnologue malien. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un conteur, ou plutôt un auteur de conte. Il nous dira la différence. Christian Tidou vient nous présenter Le Secret. C'est maintenant dans le décryptage. C'est un plaisir de vous recevoir pour cette émission Entre les lignes qui est totalement dédiée au conte. Ben, plaisir partagé. J'imagine, vous revenez chez vous en quelque sorte. Absolument, changer de position et de posture. Tout à fait, aujourd'hui vous n'êtes plus le chroniqueur, mais surtout le conteur ou l'auteur de conte invité. L'auteur de conte. Donc, Le Secret, c'est un conte que vous avez écrit ou plutôt recueilli. Alors, c'est un conte que nous avons recueilli et écrit. Recueilli et écrit. Donc, comment se fait le processus de recueillement et d'écriture? Alors, recueillir un conte, c'est d'abord aller dans un espace où on a un conteur authentique, quelqu'un qui détient cette tradition, qui détient le fin mot de l'histoire, et qui n'est pas forcément quelqu'un de lettré au sens occidental du terme. Donc, qui a le texte dans la mémoire, qui est dans la mémoire collective d'ailleurs, qui le porte, qui est un porteur, n'est-ce pas, de texte, mais qui ne peut pas l'écrire, soit parce qu'il ne peut pas écrire pour des raisons culturelles, okay, soit parce qu'il ne peut pas le dire, parce qu'il n'est pas, il ne peut pas s'exprimer en français. Donc, on le recueille dans sa langue d'origine, dans son latin d'origine. Et en l'occurrence, Le Secret, c'est un conte qui nous est venu du pays Bété. Et puis, on le traduit, on le transcrit. On le traduit, on le transcrit. Et là, ça permet de poser une question sur la question de l'autorité, de celui qui est le détenteur de ce récit. Alors, est-ce qu'on va dire que ceux qui recueillent le conte sont des auteurs de conte? Est-ce qu'ils sont auteurs, ou plutôt co-auteurs, ou plutôt seulement traducteurs? Les nuances ont leur sens. Le conte, à la base, c'est un récit populaire. Qui n'appartient à personne. Qui n'appartient à personne, c'est un fonds commun. C'est un fonds commun, c'est un fonds culturel commun, propriété d'une culture, d'une zone culturelle. Ceux qui vont, qui sont les sachants, qui, par souci de transmission, recueillent ces contes, recueillent les contes, mais n'en sont pas les auteurs. Nous sommes des porteurs de contes, des porteurs de paroles, okay, qui nous permettent de faire le relais entre ce qui est caché dans le fond de la tradition et les nouveaux lecteurs dans le nouvel espace intellectuel. Je veux enfoncer le clou de cette question. Juridiquement, êtes-vous l'auteur de ce conte? Je suis l'auteur du livre. Du livre, mais pas de l'ouvrage. Mais je ne suis pas propriétaire, n'est-ce pas, de la pensée qu'il y a dans ce livre. Ce qui veut dire que quelqu'un comme moi, je peux récupérer le conte écrit exactement de la même façon et en faire un autre livre? Non, pas de la même façon, parce qu'il y a quand même, ce qu'on appelle la performance. Si j'étais un conteur, j'aurais eu une autre performance. Et donc, deux conteurs différents sur la même scène auraient forcément eu deux performances différentes. C'est-à-dire que dans le cheminement du conte, dans le dévoilement du conte, dans la parole qui porte le conte, chaque auteur, chaque poète, chaque conteur a une performance particulière qui fait sa spécificité. Donc, un conte dans la tradition, vous pouvez le dire, je peux le dire, tout le monde peut le dire. D'ailleurs, tout le monde connaît le conte. On voit que le statut de l'auteur de conte est très ambigu. On pourra en reparler certainement dans quelques minutes. Non, mais c'est qu'en fait, on ne peut pas. C'est pas qu'il soit ambigu, c'est qu'il ne fonctionne pas sur les mêmes canaux que le statut de l'auteur de roman. De roman ou de pièce de théâtre. Dans la tradition africaine, l'auteur, en tant que propriétaire et celui qui a imaginé le texte, n'existe pas comme ça. Voilà. Très bien. Ça, c'est une conception tout à fait moderne. Moderne et occidentale de l'autorité, voilà, du texte. Et c'est pour ça que j'ai dit que c'est très ambigu. Si on le pense en termes occidentaux, il faudrait également peut-être avoir des travaux qui s'intéressent à la question de l'autorité dans la littérature orale. On pourra en reparler. On revient d'abord au genre du conte. Pourquoi continuer à écrire des contes en pleine modernité, ou ce qu'on peut appeler la modernité africaine? Pourquoi est-ce que des auteurs comme vous persistaient dans l'écriture du conte? Mais parce que le conte n'est pas quelque chose de passé, de caduc. Le conte est ouvert à la modernité. Le conte parle à la modernité. Le conte est fait pour les hommes de génération en génération. Donc il n'y a pas de cassure, il n'y a pas de rupture entre ce que nous faisons et ce qui se faisait avant et ce qui se fera demain. Le conte porte un message et le message est destiné aux hommes de toutes les époques, tout simplement. Est-ce qu'on peut dire que le conte, le message du conte, la parole du conte correspond à l'époque, à la mentalité de l'époque? Comme le dit Amadou Mpateba, le conte, il est dit pour plusieurs types de personnes, pour les moins jeunes, pour les jeunes et pour les vieillards. Donc, le conte s'adapte, le message du conte s'adapte, okay, pourvu qu'on veuille l'écouter et prêter attention. Pourvu qu'on veuille l'écouter, je pense à un lectorat plus jeune.
Généralement, lorsque je lis beaucoup de contes, hein, pour vous faire la confidence, généralement, lorsqu'on lit des contes, la plupart des contes sont ancrés toujours dans une histoire, un moment lointain, qu'on ne peut pas dater, dans un lieu qu'on ne peut pas situer sur la carte. Pourquoi est-ce que les conteurs, dont vous, n'inscrivez pas, n'ancrez pas le récit de contes dans l'urbanité, dans la ville, par exemple ? Même si on veut l'inscrire dans l'urbanité, il faut garder au compte ce qui fait sa spécificité. Le conte parle à tout le monde, il ne parle à personne. C'est une prudence. Traditionnel, c'est une sagesse. Le conte peut être virulent, peut être critique, peut être même hyper critique. Mais c'est une critique qui est voilée, c'est une critique qui est... Pourquoi pas en ville, simplement ? Pourquoi rester accroché au fond traditionnel et culturel ancien ? La ville, c'est le lieu, n'est-ce pas, d'exposition au lieu du conte. Nous sommes en ville, vous et moi, nous sommes dans une télévision. Mais le récit ne porte pas sur la ville. Je veux dire, pourquoi ? Le récit a ses références, en fait. Le récit a ses références, tout comme tout autre genre. Ok, un mythe, une épopée aurait ses références. Donc le conte, parce qu'il n'est pas né d'aujourd'hui, parce qu'il est né d'hier et même de bien plus longtemps, c'est ainsi sur un socle qu'on continue, n'est-ce pas, de transmettre. Et qui ne veut pas venir en ville, on l'a bien compris. Donc on revient à l'histoire. Aussi, qui entre dans la ville et qui est en pleine urbanité. On l'a bien compris, même si l'histoire n'est pas ancrée dans l'urbanité. Avant de parler du conte, là on entre de plein pied dans le livre, il y a ce fameux Ogoté. Ouvrons-le. Ogoté, l'esprit du conte. C'est qui Ogoté ? Est-ce quelqu'un de fictif ? Est-ce la réalité ? Est-ce qu'on est déjà dans l'histoire ? C'est qui Ogoté, ce fameux Ogoté ? Alors, vous parlez déjà de modernité du conte, vous voyez que le conte offre la possibilité Ogoté, c'est une troncation avec le texte. C'est la troncation de Ogotomeli. Ogotomeli, c'est ce sage de Gaulle qui a été interrogé par Marcel Guyon au début du siècle dernier et qui lui a révélé les sagesses du pays de Gaulle dans le Sangha malien. Voilà. Donc Ogoté, personne réelle, porteur de contes, qui dit, dans l'avant-propos, c'est vous qui le citez, « Si les contes n'existaient pas, homme, comment aurais-je pu, moi, Ogoté, vous instruire ?» Absolument, parce que cela continue cette manière de dire, continue la pensée de Ogotomeli, qui, pendant plusieurs jours, a instruit Marcel Guyol sur la sagesse de Gaulle. Ouais. Vous savez, lorsque le choc des cultures se fait, l'une des cultures, qui est la culture occidentale, ne comprend pas toujours la culture africaine. Donc il a fallu que Marcel Guyol séjourne en pays de Gaulle, hein, au Gaulle du haut et au Gaulle du bas, c'est connu, et que Marcel Guyol, que Ogotomeli l'instruise sur la sagesse de Gaulle. On va dire qu'Ogotomeli est un passeur de culture. C'est un passeur de culture, c'est un sage reconnu en tant que tel, qui était aveugle, et qui dans ce handicap okay, a pris le temps de se cultiver et de transcender certains espaces de connaissances. Aveugle mais très voyant. On entre dans le livre, alors le secret... que je suggère à tous les lecteurs, courez vers toutes les librairies pour vous offrir le secret. Donc, le secret, c'est l'histoire de Ouayué et ses trois fils. On ne va pas dévoiler le tout de l'intrigue, c'est un conte. Mais il y a surtout, avec Ouayué, il dialogue beaucoup avec quelqu'un qui est son double invisible. Absolument. Je vais lire un extrait à la page 11. Vous dites, « Chaque homme possède en effet un double invisible. » C'est avec lui que tous les enfants en bas âge jouent et parlent leur baragouin énigmatique pour les personnes en âge de raisonner. Après l'enfance, quand l'on grandit, ce double invisible s'en va. Il ne réapparaît que bien plus tard à l'âge adulte. Voilà pourquoi le double du vieil Opa était revenu. Le double invisible, est-ce que c'est une invention du conte ou on est vraiment dans quelque chose de spirituel qui existe dans la culture BT par exemple ? Alors, vous savez, on a souvent eu tendance à regarder de très haut la culture africaine. La question du double, c'est une question qui est très connue en psychanalyse. De la psychanalyse freudienne, l'homme a un double. On l'appelle le doppelganger. Donc c'est une conception de l'homme qui existe ici et ailleurs et qui est connue, qui est même révélée par les grands savants. Lacan en parle, Freud en parle et d'autres suivaient le Freud en parle également. Donc avoir un double, avoir une personne qui est à la fois l'opposé de soi, le miroir du soi, ce sont des questions qui sont connues de nos traditions. Et ici on stylise un peu ce double de soi, dans la mesure où il arrive souvent de voir des gamins jouer, bavarder, mais mener la causerie avec eux-mêmes dans un vide. Et donc, ils ne sont pas fous, simplement. Voilà, ils parlent avec le double. Est-ce que c'est la folie, etc. On ne sait pas. Donc, tant que ce sont des gamins qu'ils peuvent, n'est-ce pas, s'auto-faire le dialogue, ils peuvent auto-dialoguer avec eux-mêmes comme ça, bon, on est heureux. Mais ici, en termes de fond culturel, en termes de cosmogonie, est-ce que dans la culture BT, il y a une croyance au double invisible ? Alors, dans toutes les cultures africaines, il y a une croyance en ce que le corps se détache. Le corps se détache, à un moment donné, il peut y avoir de l'espace de l'élévation, il peut y avoir un corps qui vient. Les esprits, les corps métaphysiques
je viens de dire, circule. OK? Et là, on en a récupéré un, le corps de Gotomeli, n'est-ce pas, qui part sur la question du double de l'humain et sur la question de ce que dans le pays bété, l'esprit peut se détacher du corps tout simplement et ça peut donner lieu à une causerie. Très bien, on reste toujours dans le conte. Il y a le moment où Owayue, il n'a que des... c'est pas Owayue, c'est plutôt son père qui n'a que des filles et qui veut un garçon. Et on sait que c'est Lilé qui va être la mère de Owayue. Et il y a ce passage, je le lis, « Une telle femme aussi pétrie de qualité ne pouvait pas ne pas posséder le germe masculin tant recherché par le père de Owayue. » Il y a quelque chose de l'ordre de la naïveté dans le conte également. C'est, en quoi est-ce que le fait d'avoir des qualités permet d'avoir un garçon? Non, évidemment, ici, nous sommes dans la sublimation du texte, dans la sublimation du personnage, dans l'hyper-qualification. Parce que, vous savez, dans les traditions africaines et anciennes, la question du genre est traitée de manière très délicate. Okay, j'ai pas envie de choquer, n'est-ce pas, les spectateurs et superposer les gens ici et là. Mais on a toujours été fiers dans les cultures africaines d'avoir des hommes parce que ce sont des cultures agraires. Et que le métier agricole est un métier qui demande beaucoup de force, qui est très organisé. Donc lorsqu'on a des femmes, elles font tel segment, les hommes font tel segment. Donc il était bon pour le vieil homme d'avoir à côté de ses filles un homme. Il y a quelqu'un qui va venir maintenant m'aider à vous poser des questions. L'instant lecteur. Le conte intéresse tous les âges, que l'on soit vieux, jeune, enfant, on peut lire un conte et on peut savourer les délices du conte. C'est d'ailleurs un jeune étudiant que nous recevons aujourd'hui, Jouka Mikaël. Bienvenue sur le plateau d'Entre les Lignes. Merci. Est-ce que vous êtes content d'être ici? Oui, très content. Je suis l'émission depuis longtemps et ça me fait plaisir d'être aussi sur le plateau aujourd'hui. Ah, mais c'est un honneur. On est content de savoir que de nombreux jeunes suivent l'émission. Alors, je salue tous les jeunes étudiants du département de lettres modernes qui nous suivent tous les dimanches et également tous les mardis. Jouka Mikaël, oui. Lecteur de contes, c'est très rare. Ouais, j'essaie de m'ouvrir à plusieurs types de lectures. Plusieurs types de lectures. Très bien, vous avez lu Le Secret, vous avez une question pour Thibaut Christian. Exactement. Alors, ma question est, pourquoi est-ce que le père de Owayue veut forcément avoir un enfant? Un garçon, vous voulez dire? Un garçon. Oui, un garçon. D'accord. Merci bien, Jouka, c'est une question très pertinente. Et il va falloir qu'on situe cette réponse dans son contexte. J'ai pas envie de choquer, mais... les téléspectateurs, et dit tout et n'importe quoi. Alors d'abord, de manière générale, la réponse c'est qu'on a toujours envie d'avoir ce qu'on n'a pas. Hein? Le désir est porté vers la possession de ce qu'on n'a pas, de manière générale. Donc les gens vont rechercher ce qu'ils n'ont pas. Donc quelqu'un qui n'a que ce genre va sans doute avoir tendance à en chercher un autre. Mais pour contextualiser la réponse, dans une société traditionnelle, agricole, agraire, patriarcale aussi, la sauvegarde du patronyme est importante. Donc le vieillard voit et sent dans la naissance d'un fils la possibilité qui lui est offerte de conserver un patronyme. Alors pourquoi est-ce que c'est comme ça? Parce qu'à cette époque, c'est des questions qui n'étaient pas réglées. Aujourd'hui, dans un monde moderne, autant les femmes que les hommes portent le patronyme. C'est réglé de manière juridique, donc cette question ne se pose plus. Donc voici quelques éléments de réponse qui permettent de détailler. Donc j'ai évoqué deux raisons. La première, c'est qu'il y a le désir d'avoir ce qu'on n'a pas. La deuxième, c'est que dans une tradition patriarcale agricole ancienne, avoir un fils signifiait, je dis bien signifiait, pouvoir conserver, n'est-ce pas, le nom, le patronyme. Aujourd'hui, c'est des questions qui sont réglées juridiquement. Les femmes et les hommes peuvent conserver le patronyme. Donc, on va dire que dans la culture BT, il y avait une sorte de discrimination socialement acceptée. Dans beaucoup de cultures traditionnelles. Non, en restant sur la culture BT, on ne va pas se cacher derrière le nombre de cultures. Dans beaucoup de sociétés traditionnelles, là je vois que tous les adeptes du genre ouvrent grand les oreilles, mais dans beaucoup de sociétés, il y a beaucoup de temps ont été faits aux femmes, okay, pour des raisons que l'histoire saurait un jour dire. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que toutes ces choses ont tendance à être réglées, okay, par des conceptions nouvelles, par un regard différent qu'on pose sur les questions du genre, des femmes, etc. Alors, chère lectrice, n'en prenez pas ombrage, c'est une histoire passée qui permet également de comprendre comment est-ce que le patriarcat a fonctionné à une certaine époque. Merci beaucoup, cher lecteur, d'être passé nous voir. Vous restez avec nous, le temps pour nous de lancer la question selfie. Je suis Emmanuel Godet, étudiant marketing et management. Alors, j'ai lu l'œuvre Le Secret de Christian Thibault, qui m'a beaucoup plu, que j'ai beaucoup aimé. Alors la question qui ressort, c'est de savoir que symbolise la perca blanche que vous décrivez dans ce beau conte.
Alors, merci pour cette question et bonjour, chers amis et étudiants. Alors, la percale blanche dans le texte, dans le processus qu'entament les trois frères, c'est le symbole ultime du rapprochement avec le Père. C'est ce qu'il faut ramener au Père. Et donc, c'est l'objet qui va rapprocher chaque enfant du Père. Et comme les trois enfants sont allés comme ils le sont dans le texte, il faut lire pour le savoir. Chacun, ce bout de papier devient objet de discute, de bagarre, de conflit, justement parce qu'il faut que chacun le ramène à son père pour avoir égard à ses yeux. Merci. Vous parlez du père, on a également une sorte de querelle autour de la percale, parce qu'il y a des frères qui ne se reconnaissent pas sans dévoiler l'intrigue de ce conte-là. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'il y a une sorte de critique voilée de la crise ivoirienne ? La crise ivoirienne. Parce qu'on a le père, on a les trois héritiers, il y a tellement de coïncidences, de correspondances. Je laisse la réponse à cette question, à la fertilité du critique. Et vous qui l'avez écrit, est-ce que vous avez songé à... Le rôle de celui qui écrit n'est pas de penser à la critique. Moi, je relève, n'est-ce pas, les faits, parce que j'ai été porté par la tradition. Maintenant, il appartient à chaque critique, à chaque lecteur, de se faire sa propre idée. Loin de moi, l'idée, la volonté d'orienter la lecture vers le champ politique, le champ social. Maintenant, si je trouve qu'il y a des coïncidences, bon, ben, c'est peut-être... Jolie fuite en avant des écrivains, on en a l'habitude, on en reçoit beaucoup ici. Toujours sur des questions politiques, il y a toujours une volonté d'esquiver. C'est pas bien grave. Dans votre bibliothèque personnelle, quel est l'auteur, un seul, qui vous a marqué le plus ? Alors, récemment, j'ai lu le prix Goncourt. Le récent prix Goncourt ? Le récent Mbolassa. Alors, c'est un conflit entre lui et Kafka, La Métamorphose. C'est un livre que... Franz Kafka, qu'on suggère également au lecteur, il faut lire La Métamorphose de Kafka. C'est un ouvrage de chevet que je lis, relis, parce qu'à travers ce petit livre, La Métamorphose, c'est la métamorphose sociale de l'homme tout au cours de sa vie, avec les réactions et les retours qu'il a de son entourage, qui peuvent s'avérer, en termes de retours, très décevants. Très bien. Aujourd'hui, on ne rendra pas hommage à Kafka, ni à Umgar, ça on l'a déjà fait. On va rendre hommage à une écrivaine sud-africaine, Les Grandes Plumes. Née dans une famille bourgeoise, d'un père juif, lituanien, et d'une mère anglaise, elle n'en demeure pas moins sensible aux inégalités raciales et aux problèmes sociopolitiques de son pays. Souvent malade, l'enfant est couvé par sa mère et occupe son temps à lire, développant ainsi une passion pour la littérature. À 9 ans, elle rédige sa première nouvelle, inspirée par la fouille policière de la chambre de sa domestique noire. Ses premiers récits se situe dans le milieu juif d'Afrique du Sud. Par l'écriture, elle choisit ensuite de décrire la société inégalitaire sud-africaine et de s'engager dans le système d'apartheid. Elle dit avoir pris très tôt conscience de la situation des Noirs en lisant des ouvrages sur la Révolution française, puis le roman « La jungle » d'Upton Sinclair, qui évoque les conditions de vie des ouvriers travaillant dans les abattoirs de Chicago. Elle publie ses premières nouvelles dans les grands magazines américains et acquiert une importante notoriété. Cependant, le roman « Un monde d'étrangers » publié en 1958, qui raconte une amitié impossible entre un jeune Anglais et un jeune Sud-Africain, est condamné par le pouvoir et interdit. Elle est pendant longtemps membre du Congrès national africain, l'ANC, de Nelson Mandela. La fusillade de Sharpeville, au cours de laquelle des Noirs manifestants contre la ségrégation raciale sont tués par les forces de l'ordre, ainsi que l'arrestation des dirigeants de l'ANC, ne font que renforcer sa détermination à lutter contre l'apartheid, malgré la censure qui frappe souvent ses œuvres. Si vous avez du mal à choisir entre les nombreux livres de Nadine Gordimer, je vous suggère « Histoire de mon fils ». Vous m'en direz des nouvelles. Christian Tidou, vous êtes enseignant-chercheur, oui. Conteur. Comment,
Auteur, ok. Auteur de compte, pas compteur. Très bien. Comment est-ce que vos étudiants accueillent vos publications? Alors pour ces comptes qui ont été écrits, c'est la continuité des enseignements. Okay, parce que tout un chercheur évolue sur deux champs. Le champ de la pédagogie et de l'andragogie, mais qui est nourri par le champ qui est censé être fertile, celui de la recherche. Et donc, c'est une réception tout à fait positive des enseignants de savoir que l'enseignant, le formateur, aussi est un écrivain. Vous savez, il y a cette idée qui dit que tous les grands auteurs sont morts. Donc, tous les auteurs simplement, okay, parce qu'on a beaucoup lu des livres où... tel auteur, bon, il n'est plus. Donc, il y a cela d'intéressant pour des auteurs, pour les étudiants, que de savoir que d'avoir un auteur qui est vivant, qui est en face d'eux. Très bien. Et quel est le regard que les étudiants aujourd'hui, donc les jeunes forcément, portent sur le compte? Je pense que c'est un regard qui est tout à fait positif. Et les personnes les plus âgées l'ont tellement bien compris qu'il y a des salons, notamment le Saléa d'Abidjan, qui sont des salons dédiés aux jeunes. Et au cours de ces salons dédiés aux jeunes, le compte... parce qu'il implique la performance, parce qu'il induit la performance, donc la proximité avec le lecteur est à pignon sur rue. Donc plusieurs compteurs, à travers ces salons, viennent faire des démonstrations, parler, dire leur compte, porter la parole aux plus jeunes. Et c'est comme ça qu'on les active à la lecture d'ailleurs. Très bien. Dernière question, on se rapproche de la fin, malheureusement, de notre entretien. Qu'est-ce que le compte peut apporter concrètement à la modernité ivoirienne aujourd'hui? Alors, le compte apporte à la modernité ivoirienne d'abord de se ressouder. Vous savez, la modernité va quelquefois avec un mouvement disparate, on voit un peu dans tous les sens. Mais pour nous qui étudions ces choses qui paraissent anciennes, c'est surtout des choses authentiques et essentielles qu'elles ramènent. Le compte a une philosophie, c'est une philosophie de la communauté. Pas communauté au sens de communautarisme, mais communauté au sens de rapprochement entre les hommes. Parce que le compte est d'abord quelque chose de populaire, c'est un partage. Tant qu'on peut partager les idées, on rapproche les hommes. Donc le conte est un genre littéraire qui bâtit, n'est-ce pas, des ponts entre les individus et qui permet aux uns de partager avec les autres la culture, la tolérance, la résilience. Pour nous qui avons lancé cette collection dont on tire les textes, vous savez, il y a une grosse diaspora aujourd'hui ivoirienne qui est dans la sous-région africaine, en Europe, qui est friande et qui a envie d'avoir la tradition. Vous savez, ceux qui sont partis en Europe, aux États-Unis, etc., ont sans doute fait des enfants qui ne connaissent pas bien la culture. Donc, cette galette qu'on leur propose permet aux enfants de replonger un pied dans la culture, n'est-ce pas, de papa, parce que papa est parti dans tel ou tel pays depuis 10, 15, 30 ans. Donc, c'est aussi un retour aux sources. Et c'est toujours bon pour les gens d'aller boire à la source authentique. Replonger dans la culture, retour aux sources, ça a été un plaisir, Thilo Christian, de parler du secret, mais également du conte de l'avenir, du conte avec vous. J'espère vous revoir très bientôt pour le prochain livre, recueil de contes, peut-être même un roman, on verra bien. D'accord. On vous dit merci et à très bientôt. Alors, à vous le merci de nous avoir permis, n'est-ce pas, de partager avec les téléspectateurs, les lecteurs, cette passion du livre, cette passion du conte, cette passion de la chose culturelle. Thilo Christian nous l'a dit et nous l'a bien démontré, le conte a encore un mot à dire dans la société ivoirienne d'aujourd'hui. Donc, chers lecteurs, n'oubliez pas de lire plusieurs contes, dont celui de Thilo Christian, Le Secret. En attendant, écoutez du slam tout à l'heure, mais n'oubliez pas, n'oubliez jamais. Lire des livres, à la semaine prochaine. Je suis une résonance de l'Afrique, et les mots sont l'essence de l'art que je pratique. Ils ne sont qu'effluves et émanations de mes émotions, une expression de ma foule, de ma liberté, de ma dévotion. Je ne suis que le phonème qui donne mouvance et vie à ces mots qui façonnent inévitablement mes envies. Non pas comme une marionnette, mais plutôt comme un instrument, car ces mots se façonnent selon mes sentiments. Je ne suis que le son qui donne sens et existence à ces mots qui se refusent au sort de l'impotence, à ces mots qui refusent de mourir sur la potence, qui refusent d'être condamnés par la loi du silence. Cela s'est produit après avoir flâné comme une native de la Bohème, en essayant de fuir le quotidien et ses problèmes, que mon esprit a pris un biais sans retour pour le monde artistique et posé ses bagages au pays poétique. Simplement parce qu'au commencement était la parole et qu'elle a décidé de prendre dans mon art le premier rôle, en puisant sa source dans les profondeurs de mon âme, pour transformer mes pensées en ces paroles que je déclame. Et avec ma voix de griotte de continent noir,
Je suis là pour faire entendre nos vers au-delà de nos territoires. Pérenniser la culture oratoire, la même par laquelle nos grands-pères nous ont transmis l'histoire. Et pour ce faire, parfois j'emprunte la plume et l'encre de Baudelaire pour rendre hommage à la Senghor, à la Damas, à la Césaire. Et quand me prend l'envie d'afficher ma noire attitude, eh bien je m'abreuve de leurs écrits pour vomir ma négritude. Oui, je veux dire des mots sans jamais être à bout. Des mots style révolutionnaire à la Kuruma Amadou. Pour faire découvrir nos slams aux couleurs tropicales, déclamés a cappella ou encore sur fond.